Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, sur ce nouveau let's play sur Limbo. On va pas faire plus de suspense que ça, et on va se lancer le jeu. Alors, je suis désolé si le son est trop fort dans vos oreilles, j'espère que vous aurez l'occasion et le pouvoir de le baisser, car moi je ne peux pas en fait, et je me suis dit que si c'était embêtant pour moi, ça allait être pour vous. J'avais joué il y a quelques années à ce jeu, j'ai totalement oublié ce qu'il faut faire. Mais en fait, ça m'a fait penser. D'accord, j'ai deux touches pour sauter. Et c'est tout. Ok, je peux jouer à la croix directionnelle. Donc, j'avais joué il y a quelques temps et j'ai totalement oublié les tenants et les aboutissants de ce jeu. Mais vu qu'on a fait récemment Little Nightmares, je me suis dit que ce scroller en 2D m'y faisait penser. Du coup, je me suis dit, on tente. Alors, je sais pas s'il y a une réelle histoire. Dans mes souvenirs, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas et puis c'est tant pis. C'est très très minimaliste et je dois dire que c'est un des jeux qui a chargé le plus vite sur ma console. Faut savoir que moi j'ai pas la fibre et on est dans une ADSL vraiment pourrie. Et donc ça a chargé en même pas 15 minutes, j'étais très content. Alors, devons-nous aller par ici? Alors voilà, le truc c'est que, comme dans Little Nightmares, rien n'est indiqué. On a l'air plutôt bien parti jusqu'ici, mais à vrai dire, si on avait pu continuer par en bas, aucune idée. Un petit peu long ce voyage en bataille. Je pense qu'on arrive bientôt sur la côte. C'est assez difficile pour moi de faire le travail de perspective là-dessus, j'arrive pas trop à savoir où est le premier plan, où est le second plan, tu vois. Peut-être que je peux ramener le bateau un petit peu. Et je vois une poignée. Ça pourrait me permettre de monter là-dessus. Alors jusqu'ici, c'est de la totale impro parce que comme je vous ai dit, j'avais déjà joué. Mais ne me souvenant plus de rien du tout, c'est assez chaud. Ok. Là, c'est pur, pur hasard. Ah, j'ai un seul souvenir qui vraiment m'avait un peu marqué et qui m'a fait quitter le jeu. C'est une créature. Une créature qui m'avait fait quitter le jeu, ouais. Ok. Ah oui. Là, par exemple, c'est bête ce que j'ai fait. Mais je sais déjà comment passer cet obstacle. Cet obstacle. Voilà, vous faites ça. Ensuite, on saute par-dessus un et par-dessus l'autre. C'est plus facile comme ça. Et oui. Alors, j'imagine que cette bestiole est morte. Ah! J'avais même pas vu. C'est bien caché, n'empêche. Je croyais que c'était de l'herbe. Bon, Ah si, maintenant que tu le dis. Ah non, par contre. Bah non, pourquoi il fait ça? Regarde, on va faire ça. Hop, approche tout doucement. Là, bam. Et là, ça va manger le truc. Et voilà. Pas compliqué ce jeu. Alors, vu qu'il a mis que 15 minutes à télécharger sur ma PS4, j'ai peur que ce soit vraiment très très court. Au pire, ça fera pas beaucoup d'épisodes et ça fera juste une aventure, on va dire, de transition. Ok, le réflexe. ça m'a totalement coupé dans ce que je disais. Il faut avoir un petit peu de... Faut savoir que je viens de me lever aussi. Hein. Là, il est midi 17. Je suis pas encore tout à fait au point. Y a un piège ici. Je vais me méfier tout le temps maintenant. Enfin, je dis ça et au prochain obstacle, je vais être en mode... Ah, j'ai pas vu. Et donc j'espère que ça fait au moins plus d'un épisode. Après, dans mes souvenirs, j'avais tellement galéré au bout d'une certaine partie du jeu que... Dans mes souvenirs, c'est... C'est pas si facile que ça. En soi, il n'y a rien de très compliqué.
Mais dans le sens où... Voilà, déjà ça, c'est bien joué. Dans le sens où, comment vous dire? Eh ben, quand tu trouves pas, tu trouves pas. Et il n'y a pas de... Déjà, on va peut-être se mettre dans le bon sens. Voilà. Peut-être que ça va tout changer. Et tu vois, le jeu, pour le coup, t'explique même pas que tu peux te balancer ou des trucs comme ça. Au contraire de Little Nightmare qui te donnait un minimum d'indices quand tu mourais, quoi. Alors, je peux pas me balancer plus que ça, j'ai l'impression. Ce qui est, ma foi, assez dommage. Peut-être qu'il fallait continuer sur l'eau. Ce dont j'ai de doute, de forts doutes. On va essayer. Ouais, non. Non, à mon avis, on sait pas nager. Alors, je suis désolé aussi pour ma voix. On va essayer de faire des trucs bien, mais mais je vous garantis rien. Et voilà, et là j'y étais presque. Mais qu'est-ce qui me manque au final? Est-ce qu'on n'a pas quelque chose avant? Tu vois? Genre. Attends. Fais gaffe, petit, ici c'est les gangs qui travaillent. Non, on peut pas prendre vraiment plus d'élan, quoi. J'ai cru qu'en mettant sur cette pierre, j'imagine, ça allait changer quelque chose. Et en fait, pas du tout. Et peut-être que si on le prend de plus haut. Hein. Voilà, là, ça m'a l'air déjà plus faisable. On a moins de portée. Mais. Hop, on est déjà beaucoup plus haut. Ah! Ok. C'est compliqué. Et là. Ok, on va éviter de mourir. Je sais pas si on a besoin forcément de faire ce chemin-là. Ah ouais. D'accord. J'ai vu la mort approcher à une telle vitesse. Mais au final, ça a été au niveau de la hauteur. C'est assez difficile de se faire une idée de la taille, de le, comment dire. De la taille du personnage, certes, mais... À quelle hauteur on peut sauter sans se faire de dégâts, ça c'est très très dur. Ok. On entre dans un décor toujours plus sombre qu'avant. On a un piège ici qu'on va devoir sûrement utiliser d'une manière ou d'une autre. J'ai mon chat qui... Voilà! C'est ça dont je me souviens. Alors comment faire? Oh la vache, ça m'a fait sursauter. Stas, si on avait une caméra là-dessus, vous auriez vu mon... Ah, ça commence à se rapprocher. Encore un petit coup, s'il vous plaît, madame. Même si j'avoue que ça me fait peur. Vas-y. J'ai même mon chat qui me fait peur derrière. Ah, mais le... Je sais pas pourquoi le son me fait si peur. C'est terrible, hein. C'est peut-être juste l'esthétique mélangée à la brutalité du son. Ok, on y était presque. Voilà mon pote. Bon, là ça va être encore plus chaud le timing. Non, ça va en fait. Ah! Le dernier, j'étais pas prêt. C'est dégueulasse. Et ça me fait peur à chaque fois. Donc c'est pour vous dire. Alors, prions pour ne pas avoir offert toutes les pattes. Mais seulement la dernière. Ça va. Ah non. C'est laquelle? Ah d'accord, c'est plus la même. Ah mais celle-ci elle va beaucoup plus loin en fait. Oh c'est surprenant. Oh la vache. Ah! Comment faire? Parce qu'elle a pas la même portée mais j'ai l'impression qu'elle va pas jusqu'au sol.
Voilà mon pote. C'est bon, tu me laisses tranquille. Et c'était sans compter sur la revanche. Parce que là en soi elle a perdu 3-4 pattes. Mais lui en reste pas mal, hein. Alors, je vais augmenter la luminosité de la télévision. Voilà. Ah, ça change tout. Je peux vous jurer que ça change absolument tout là. Au lieu de voir rien du tout, je vois rien du tout, mais les blancs sont plus blancs. Ah, c'est peut-être pas le bon plan ça. Je suis stuck. Je suis stuck. Je suis stuck, je suis stuck. I am stuck, I am bloqué. Ah, bon, ben on est mort. Elle va me pulvère. À moins que ce soit scénarisé. J'ai l'air vivant, non? Oh, c'est bien fait, hein. Alors, je te pose là, tranquillement. Bien gentil. Moi je vais tout de suite essayer de m'échapper, je sais pas si c'est possible. Ah d'accord. Ah oui, mais c'est de la merde ça. Attends, si je peux sauter quand même. Par contre, je pourrais pas sauter en me déplaçant. Là, s'il y a un piège, j'en ai mort, hein. Voilà, c'était même pas un piège. Je suis vivant? Ah non. C'est chaud ce truc. Attends. Ok. C'est limite, hein. J'aurais pu me rapprocher un petit peu plus, mais. Oh la vache, c'est pas facile, hein. Bah en tout cas, j'espère que vous allez bien, hein. Le mec qui demande ça au bout de 13 minutes. Moi ça va, à part ces 18 crises cardiaques à cause des pattes d'araignée. Ok. N'empêche que si t'oublies le fait que c'est moi qui dirige ce petit personnage, les actions attendues montrent que il est hyper malin. Ah! Ah d'accord. Eh ben ça tu vois, je l'ignorais. Alors, il y a un moment où ça va forcément accélérer. Oh, sa mère, pourquoi tu es revenu? Tu ne m'as jamais manqué, je ne t'ai jamais aimé. Ouais, c'est le nouveau Weshden. C'est moi qui l'ai écrit. Oh, ça me dégoûte. C'est bon, tu t'en vas? Mais je suis chaud en fait, non? Enfin, je sais pas trop. Ok, je suis vivant. Je sais pas si c'est moi qui suis bon ou si c'est juste que à l'époque j'étais nul et du coup ça m'a fait rager à la force. Ah d'accord. C'est cool ici, non? Mais à quoi ça me servirait? Je peux rien ramasser ici. Ah non, mais non, elle reste accrochée. Je sais pas si je peux rester accroché sur ce truc. Oui, apparemment, oui. Ok. Alors, le truc qui est assez difficile dans ce genre de jeu, c'est de trouver le sujet, quel sujet aborder en permanence, parce que j'avoue que c'est assez difficile là-dessus. Là, il va se passer quelque chose qu'on va pas aimer du tout. Théma, le long jump. Long jump! Ok, là ça va être compliqué. Ah bon? Ah oui, d'accord. En fait, je me suis dit la première fois j'ai réussi. Et en fait, non, j'étais pas du tout au milieu du. Ok, c'est ça votre jeu difficile? Eh ben. Là, ça devient loin par contre, les sauts.
Attends, mais par contre là t'es obligé de mourir. Tu peux pas deviner ce qui va se passer. Ok. Ouh! No problème. Je suis un joueur professionnel. Et à mon avis, cette araignée ne va pas me lâcher. À moins que ce soit de l'histoire ancienne, mais... Dans tous les cas... T'es fou, oui? Ah! Ah, c'est tout. Il y a un mec qui veut vraiment me tuer. Attends, mais on pourrait être peut-être amis, non? Si tous les deux on est humains. Bon, ça va être chiant s'il me le fait à chaque fois. Parce qu'en plus on est en pente. Oh quoi, je meurs là-dessus? Ah oui, d'accord, parce qu'il y avait du feu par terre encore. Ok. Il va falloir être plus malin que ça. Ok, donc le premier on le laisse passer. Et ensuite on pourra faire de quoi? Je l'entends qui arrive. Voilà. Ah, par contre il a laissé du feu partout là, je suis mort. Non, c'est juste ici. Ah mais vous êtes plusieurs. Pourquoi m'en vouloir? Serait-ce un spin-off de Sa Majesté les Mouches? Oh, ils vont encore me balancer des trucs, non? Oh, je suis plein de choses, vous savez. Ouh! C'est tordu, mais bougrement intelligent. Alors, clairement, là, je suis mort. D'accord. C'est marrant, ce petit coup de guitare, là, à chaque fois. Qu'est-ce qui déclenche mon passage? Ah, ils ont pensé à tout. Enfoiré! Ah oui, putain, j'avais pas vu le second. Ouais. Bah, à mon avis, on va monter par ici. Hein. S'il y a deux pièges de l'autre côté, va pas falloir faire les femmelettes. Hein. Merde. Putain, ils pensent à tout. Vous êtes des génies, vous aussi? Parce que moi, je vois pas où j'atterris. Oh, ils vont encore me lancer des trucs. Non, mais faut grandir au bout d'un moment. Hein. Je sais pas quel âge vous avez, si vous êtes des petits lutins ou quoi que ce soit, mais... Ah oui? Ah, c'est chiant, ça. Ah, je peux mourir de noyade. D'accord. Ah, en fait, ça, c'est une plateforme. Ah non! Ah ouais, non, parce que là, je me suis dit, c'est abusé. Et eux, en fait, qu'est-ce qu'ils ont contre moi? Ah, d'accord, j'ai compris. J'ai compris, il faut l'attendre un petit peu. Ok. Théma, le speedrun. Hop. Regardez, c'est... En fait, c'est pas compliqué une fois que t'as la réponse. Hein. Comme Little Nightmare. Une fois que t'as le truc, eh ben, c'est faisable. C'est juste parfois une question de timing en soi. Voilà. Rien de plus compliqué. Rien de plus facile. No one wants to hear you. No one want to save. Je suis mort là? Ah, je suis peut-être un peu mort. Vérifions.
Allez hop, strike. Elle a fait le bruit d'une boisson gazeuse. J'ai entendu faire pout. On est bon là. En vrai, j'avais envie d'appeler ce premier épisode l'araignée. En ignorant à quel point les chapitres sont longs, s'il y a des chapitres ou pas du tout. Et puis je me dis que là, on est à 21 minutes. Si je vous laisse tout en cru, sans montage, bah c'est faisable encore, c'est encore regardable. Parce qu'on a, on n'a pas recommencé trop de fois, il y a peut-être certains passages que je peux couper. Mais en soi, c'est encore digeste. Parce que je pense que si tu te fais vraiment une heure ou deux sur ce jeu, t'es en mode... D'accord. Ah, mais tu vis encore, toi ? Elle est horrible. Je pense que si tu te fais, ouais, peut-être deux heures sur ce jeu, t'es vraiment... Au bout d'un moment, ça va plus, quoi. Alors. Ah oui. Non, mais là, c'est compliqué. Parce que j'ai pas de touche pour courir. If you could change the way that you act with people around you. Est-ce que tu vas quand même me tuer? Maintenant que tu es décédé. Je suis mort, là. Non, c'est moi. Je me suis dit si le rocher me tombe dessus. Oula, qu'on n'est pas prêt. Ok, on va plutôt y aller de ce côté-là. Mais même sans pattes, elle est répugnante. Oh, ce petit jus d'araignée. Petit jus d'acromantule. Ok, qu'est-ce qu'il y a maintenant? C'est un corbeau? Corbeau, on n'est pas prêt par contre. C'est moi? Non, il a pas la même coiffure. J'aime bien ces petites phases de glissade qui te disent tu ne reviendras jamais en arrière. Peu importe les choix que tu feras ensuite, tu devras aller de l'avant. Ok, ça c'était pas très compliqué. Sans me vanter, hein. Ok, on pouvait revenir en arrière. Donc je me fais des petits mensonges comme ça de temps en temps. Nous sommes à 24 minutes, c'est encore jouable. Je sais pas combien de temps dure le speedrun. Je pense clairement qu'on est dans les temps. Je pense clairement qu'il y a moyen de faire quelque chose de pas mal. L'araignée est morte, donc je suis un peu relaxé. Même si ça se dit pas, je suis un peu détendu. On aurait pu mourir là-dedans, faut le savoir. Bah comment je fais? Je peux sauter sur le corps du mec? Oh, qu'est-ce que... Il a un truc sur la teuté, frère. D'accord, je refais exactement la même chose parce que j'étais assez con. En fait, j'ignore si je peux rester sur lui. Ça a l'air d'aller. Il a l'air un petit peu zombifié. Peut-être un fungus. Peut-être le cordyceps. Non mais là j'ai pas... Hé hey. Enfoiré. Moi j'ai rien à te lancer. Je vais chercher un pote, tu vas voir. Les mecs, vous pouvez pas venir m'aider? Voilà. C'est un peu étrange. De toute façon, tous ces jeux-là sont un peu en mode dérangé, dérangeant. Ah merde, on est obligé de le faire. Oh, je peux faire du surf. Reviens. Vas-y, t'arrêtes pas. Hein. Par contre, c'est tellement un piège à usage unique, est-ce que ça vaut le coup? Ah. Ah. Et si je touche ça, je suis mort.
Vous me dégoûtez, je ne sais pas ce que vous êtes et je ne veux pas vous connaître. Ça, c'est quoi? Non, je peux pas le toucher. C'est au second plan. Quand ça zoome comme ça, c'est pas bon signe. Voilà, c'est pas bon signe. C'est du frame perfect. À moins que... Si on y va d'un coup. Ok. C'est dur. Ah, celui-là, il fallait pas appuyer. Bon. Là, on marche dessus. Le second, on avance tranquillement. Sans marcher dessus. Ok, ça va le faire. Mais j'ai l'impression d'avoir déjà fait un let's play sur ce jeu. Sur ma chaîne. Et en fait, non. C'est assez troublant. Mon saut va pas, c'est loin là. On la tente. C'est scénarisé, c'est scénarisé. Regarde. Et qui va me la faire ici? Personne, mon gars. C'est votre territoire et vous vous faites marave la gueule comme ça, là? Non, honteux, honteux. Moi, je suis venu dans votre quartier, là-bas, c'était pour parlementer. Hein. Puis d'ailleurs, je savais même pas que c'était votre quartier. Croyez-moi que si j'avais su, j'aurais rebroussé ce chemin. Ok. Alors ça, ça fait quelque chose. Mais quoi? Oula, ça devient compliqué ce jeu. Je pense que je l'ai. En vrai, je pense que je l'ai pas. Alors, ça, ça me sert à quoi? Ça, je peux pas l'emmener plus loin. Est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Non. On va retenter. Donc celui-là, ça soulève le second. Non, le premier. Là, on est bon. Ça, je sais pas si c'était très malin de le foutre sur ma route. Non, ça passe pas. Ok. C'est tellement épuré qu'ils vont pas te mettre des trucs inutiles. Ok. On va tenter ça. Ça passe pas. Ça doit se jouer à très très peu. Bon, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter ici pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que ce jeu vous intéresse, même si bon, il n'y a pas grand chose. Hein. Il n'y a que moi qui parle et des énigmes. Enfin, ça peut faire l'affaire pour certains d'entre vous. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu et vous abonner, d'activer la cloche. À très très vite. Ciao.